Ce sont des criminels dangereux. Comment pourrais-je les trouver? Mais personne n'a encore réussi à m'échapper. Que faire ensuite? Les coordonnées? Le téléphone? Tous les indices mènent au même endroit. Au jeu, mon ami Tom et les amis. Nous allons résoudre cette affaire. Bonjour à tous, chers amis, c'est Harry Schneff. Le monde n'a jamais vu un tel contenu, un tel charisme. Avec moi, Pashka Chérieff. Salut les gars. Ça fait qu'un, deux, trois... Quatre. Et les amis, aujourd'hui, nous allons jouer au jeu. Mon ami Tom et tous ses amis. Mais nous allons le faire à 3h du matin. Vous avez beaucoup écrit dans les commentaires que justement en jouant à ce jeu à 3h du matin, alors Tom et tous ses amis pourraient venir dans notre studio. Et ils pourraient faire des choses très étranges, vraiment. Je sais que vous ne pouvez pas, bien sûr, vous dormez normalement la nuit. Vous avez des choses à faire, l'école, la maternelle. Et nous avons déjà fini tout ça avec les gars. Donc on a le temps de tourner de telles vidéos. Et de vérifier toutes sortes de choses cheloues à 3h du matin. En plus, c'est très dangereux. Donc mieux vaut que nous prenions des risque pour vous. Je rentre directement dans le jeu. Il est 2h58 et nous entrons dans le jeu Tom et les amis. Pashka, surveille autour de toi pour qu'il ne se passe rien. Je surveille. La première chose à faire est de choisir notre date de naissance. Mais 1917, quoi. Non. En règle générale, on doit pas mentir dans ces jeux. 2010 fera l'affaire. Je choisis mon année de naissance et le jeu démarre. Oh la vache! Tom est apparu en train de traîner une malle avec un ballon de foot dedans. Et comme on peut le voir, c'est sa chambre où il y a une télé avec une console, un tableau et des livres. Pashka, tu vois les livres? Oui, je vois. On a ses pensées dans une bulle où il veut clairement jouer à ce ballon de foot. Salut Artom, j'ai envie de jouer au ballon. Salut aussi à Pashka et Safik. Comment il sait nos prénoms? Mais Tom, on n'a pas entré nos prénoms. J'ai juste choisi mon année de naissance. Comment connaît-il mon prénom, celui de Safik et de Pashka? Donnons-lui ce qu'il veut. Prenons plutôt ce ballon de foot. Oh, il dribble, il tire, quoi. Je ne peux pas. Oh, autant... Et le ballon? Et le ballon, il est passé où alors? Mon Dieu! C'est quoi? C'est quoi, les gars? Le ballon est apparu de nulle part! C'est vraiment tout de la magie, dans ça! Le jeu. Mais il n'y a personne là-bas! Qui a pu lancer ce ballon? Je comprends pas, il est juste apparu comme ça de nulle Tom, part! Tom, c'est toi qui as lancé le ballon! Bon, il s'est juste moqué de nous, quoi. En tout cas, on a le ballon, maintenant, quoi. Écoutez, bon, c'est bien que dès le début de la vidéo, il se passe déjà quelque chose. Rendez-moi le ballon. Et Tom, mais comment on peut te le rendre dans le jeu, ce ballon? Bon, Safik, lance-le par là-bas. Je l'avais dans les mains, mais je l'ai plus maintenant, quoi. Il est tombé derrière le canapé. Non, il était juste là, quoi. Le ballon a disparu. Et écoute, Tom, on dirait qu'on l'a perdu. C'est peut-être lui qui l'a récupéré. Tom, c'est toi qui as repris le ballon. Il grogne clairement et est très mécontent. Essayons d'explorer le territoire dans ce jeu. Il faudrait d'abord l'amener aux toilettes. Il veut faire pipi. On est déjà dans les toilettes de Tom. Et il veut aller aux toilettes. Je ne vais pas prendre ces risques et je vais l'envoyer sur le trône. Il y a même deux toilettes, quoi. Dans l'une des toilettes, Angie est assise. Et elle est partie en courant. Reviens! Regardez cet énorme jacuzzi ici, incroyable, là. Incroyable, et en plus rempli, quoi. On dirait un énorme évier. Écoute, et le jeu, il fait avancer, quoi. Pashka, de quel énorme évier tu parles, hein? Bah, ça y ressemble, par exemple. Alors, tu n'avais pas de bain quand tu étais enfant? Non, je me suis toujours lavé dans la douche, dans une bassine. Écoute, je suis sûr que beaucoup de nos abonnés, par exemple, vivent à la campagne et se lavent soit dans un baquet, soit dans une cuve. Dans un bain, quoi. Il n'y a rien de grave, hein. Sur le nuage que Tom veut la serrer dans ses bras. Allez, Tom, alors décalin! Bonjour, Artyom! Bonjour, Pashka et Safik! Vous êtes là aussi?
Elle connaît nos prénoms, merde. Elle nous a appelés correctement du premier coup, hein, tu vois. Mais d'où est-ce que ce jeu pourrait-il connaître nos prénoms? Regardons ce qu'il y a d'autre dans ce jeu. Je vois qu'Angèle et Tom peuvent prendre ce bus. On peut faire monter Tom, Angèle saute dedans et ils partent pour cette énorme ville. Il y a même un magasin de peinture, un magasin de puzzle. Ils vendent même des ballons de foot. C'est sûrement un stade entier. Allons faire un tour quelque part, quoi. Allons, par exemple, à ce que je vois, c'est sûrement une petite restauration, là. Youpi, la bouffe. Et je crois, oui, sûrement, c'est une confiserie, là. Ouais, une confiserie fleuriste, quoi. Oh, plus 5, on a une pizza. Et pourquoi elle n'apparaît pas dans la vraie vie? Appuie sur celui-là, elle ferme, quoi. Et écoute, c'est vrai, la balle, il l'a fait apparaître dans la vraie vie. Ça serait cool si ici, dans le jeu, on appuie, par exemple, sur ce paquet et qu'il nous tombe dessus. C'est une seringue quand même, là. C'est peut-être un sifflet, je sais pas, mais je veux une pizza. Moi aussi, je ne refuserais pas une pizza. Ouvrir? Ouais, Tom Friends. Une carte est tombée, oh, regarde. Nouveauté. Ouais, nouveauté, c'est pas mal, ça. Nouveauté. Ce sont les super cartes, mec. Demain, on va te manger. Ouais, ouais, ça a l'air flippant, quand même. Mais à mon avis, ils ont juste faim, sûrement. Ou alors ils plaisantent. Mais là, c'est vraiment pas drôle. Oublie-le, quoi. Allons vite rentrer à la maison maintenant et emmenons Tom et Angèle vers le frigo. Bon, on est déjà dans la cuisine. Il y a un réfrigérateur avec beaucoup de produits différents. Regarde, Pachka, il y a même un hamburger bleu, là. Wow! De la glace, des gâteaux, il y a plein de sucreries ici. Un réfrigérateur typique, quoi. Sur la deuxième étagère, il y a ta pizza préférée. C'est bien, ça. On pourra même l'essayer plus tard. Mauvais réfrigérateur, d'ailleurs, tout est payant, là. Une pomme, des chocolats. Ici, il y a visiblement des légumes et des fruits. Bizarrement, il y a aussi des frites. Et du fromage. Kiwi, banane, avocat, ouais, gâteau, fromage. Et il y a plein de choses bonnes ici. Essayons la pizza. Viens, Pachka. La voilà, on l'a visiblement achetée. Et il faut maintenant s'asseoir à table. Installe-toi sur le tabouret. Très envie de dormir, quoi. Sauter la sieste, regarder une vidéo. Ah, le farceur de Tom! Les amis, je voulais que Tom mange un peu, mais il a l'air très fatigué. C'est normal, il est 3h du matin, après tout. Donc, il vaut mieux coucher Tom et Angèle pour la nuit. Sauter dans le lit, bonne nuit! Hé, pourquoi l'écran est noir? Il n'y a plus de batterie? Et la lumière s'est éteinte. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? D'où vient ce bruit? Il n'y a rien ici. Oh. Les gars, c'était un screamer apparemment, quoi. Et pourquoi il fait si peur? J'ai failli faire un AVC. Ouf. Prends le téléphone et continuons, quoi, allez. Ouais, prends-le. Dans tes mains, je vais pas y toucher. Regardez, il n'y a personne autour de nous. Non, tout va bien. On dirait que c'est calme. Je vais baisser les vides. Tom, ne me fais plus peur comme ça. Ni aux autres gars non plus. Ah, la lumière est là. Oh, ok, c'est bon, Tom. Angela, réveille-toi aussi. Les cartes. Angèle, relève-toi. Ouais, allez. Ok. Allez, lève-toi, quoi. Si tu veux dormir par terre, dors. Mais nous, on va alors manger un morceau. Allez, Tom, il est temps de manger. Assieds-toi à table. Pomme, ouais. Mais qu'est-ce que ce morceau de viande pourrie fut là, là? Il a l'air plutôt avarié. Je pense qu'il faut le donner à Tom. Après tout, c'est un chat et il devrait aimer la viande. Je veux de la viande. Donne-moi de la viande. De la viande, de la viande. Je veux de la viande. Ne lui donne pas de viande, mon gros, là. Les gars, les chats ne mangent sûrement pas ce genre de choses. Regardez, cette viande est clairement pas fraîche. Pourquoi est-ce qu'il la demande? Bah, il en a envie, c'est un chat. Normalement, il devrait aimer la viande, c'est tout, quoi. S'il veut de la viande, peut-être que Pachka a raison. Je prends ce morceau de viande et je le mets directement dans sa bouche. Il a mangé. Oh, mon Dieu. En plus, il a l'air content.
Rien de mal ne s'est passé. J'ai juste une question. Pourquoi cette viande avait l'air si bizarre? Bon, s'il a dormi et mangé, c'est bon. On sort de table et on continue nos affaires. Angela, arrête avec les toilettes. Arrête de chier. C'est bon, Angela est allée aux toilettes et je propose de poser directement la question à Angela. Y a-t-il des monstres dans ce jeu ou pas? Il y en a, c'est sûr. Mais comment lui poser la question? Regarde, j'ai vu dans ses fonctions là-bas un microphone. Si on met Angela dessus, on pourra lui parler vraiment. Angela, salut! On voulait te demander s'il y a des monstres dans ce jeu à 3 heures du matin. Dis-nous s'il te plaît. Vraiment, oui ou non? Je ne suis pas au courant, mais Tom vous répondre. Vous comprenez? Il faut appeler Tom. On se dépêche alors. D'accord. Merci de ton aide. À tout de suite. Viens par ici, Tom. On installe sur le micro. Tom, salut. On voulait te demander s'il y a des monstres dans ce jeu. Pourquoi il fait non de sa tête? Il ne veut pas nous répondre. Hé, les gars, il veut pas nous parler. Quand on a appelé Angela au micro, elle nous a répondu tout de suite, alors que Tom se tait. Il nous en veut pour quelque chose, peut-être? Demandons à Angela. Ils habitent ensemble, après tout. Oui, c'est logique. Ouais, ouais. Ils savent tout, demande-lui encore, quoi, allez. Angela, Tom ne veut pas nous parler. Il ne dit pas où sont les monstres. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il est probablement fâché contre vous. De lui acheter un chocolat. Angela nous a donné un conseil. Maintenant, on va offrir un chocolat à Tom. Viens, Tom, à la cuisine. Dans le frigo, sûrement. Dans le frigo. Et voilà le chocolat qu'il veut, lui. Vas-y. On prend direct 3 pièces. Et maintenant... Il faut pas. Bon, Tom, allez, fais vite la toilette. Ensuite, on a un petit cadeau pour toi, un tout petit. Tom, voilà ton chocolat. Les gars, sur ce chocolat, je vois ici l'inscription abonnement en rouge, vous imaginez? Maintenant, ce chocolat est gâché. Et c'est pas mangeable. Mais on a du mal à nourrir Tom pour avoir les réponses à notre question. Et je n'ai plus d'argent. Je ne peux pas lui en acheter un nouveau. Comment faire, quoi? Oh non, quoi! Les gars, on doit rendre ce bouton rouge gris, quoi. Alors, il reviendra normal. C'est comme ça que fonctionne cette logique. Les amis, on a une urgence ici. Pour que Tom nous réponde s'il y a des monstres dans ce jeu, il faut l'amadouer. Mais le chocolat est gâché et il y a ce bouton rouge s'abonner. Donc s'il vous plaît, descendez tout de suite sous la vidéo, appuyez sur le bouton rouge pour le rendre gris et que le chocolat redevienne mangeable pour qu'on puisse le donner à Tom enfin. Allez! Wow, regardez, ça a marché! Maintenant, il y a un sticker gris. Ouais. Tiens, Tom. Hop. Miam, bon miam. Appétit. Oh, regarde, il se tourne. On dirait qu'il a vraiment aimé. Maintenant, je pense qu'il doit répondre à toutes nos questions qu'on va lui poser. Tom, écoute attentivement. Alors, tu vas nous répondre. Est-ce qu'il y a des monstres dans ce jeu? Oui. Merci beaucoup pour le bon chocolat. Et dans ce jeu, il y a des monstres. Mais cela, vous ne devriez pas le savoir. Et vous êtes en grand danger. C'est quoi? Quels sont ces bruits? Qui est là? C'est qui? Oui, Artyom. Qui est-ce là-bas? Va vérifier. Les enfants resteront avec moi. Mais je veux pas y aller, je veux rien vérifier, moi. Mais le chat a bien dit Artyom, pas autrement. Bon, d'accord. Pour les... Fais attention surtout, franchement, je t'en prie, ne mets pas en danger, quoi. T'es pas très costaud. S'il y a des mauvais esprits, tu ne pourras pas te défendre. Et pour les abonnés, je suis prêt. Et nous, on reste ici, hein. Ça fait qu'on reste avec Tom. Hé hey! Vous entendez ce chuchotement? Angela, arrête! Tom, je ne veux plus jouer avec toi!
Les amis, arrêtez! Mais d'où vient ce chuchotement? Parce qu'on est resté ici, quoi. On a collé plein de stickers, on a rempli tout un bus avec ces trucs-là, quoi. J'ai déjà lavé le chat 3 fois et sa copine. Merde, pourquoi Artyom met autant de temps? Mais peut-être qu'il faut aller le chercher, tu non? Tu crois? C'est tellement flippant là-bas. Mais il faut quand même, quoi. Bon, les spectateurs, si vous mettez beaucoup de likes, on ira chercher Artyom avec sa fille. Et si vous n'en mettez pas, on continuera à jouer avec le chat. On reste ici. T'as un pouce bleu, même juste pour qu'on voit que ça vous intéresse. Allez, tout de suite, en bas, il y a un petit doigt vers le haut, allez. Il suffit de cliquer dessus, voilà. Si vous voulez qu'on aille voir ce qui se passe. Ah, il y a la notification qui est arrivée. Vous avez mis des pouces, ouais. Merci. Il y en a beaucoup, peut-être qu'ils vont en mettre d'autres. Regarde, c'est cool, regarde, il y en a plein, là. Ils en mettent, mais il faut vérifier, alors, ça fait. Putain, en fait, j'ai vraiment la frousse, quoi. Moi aussi, j'ai peur. Bon, bah, allez, on y pour va, les quoi, spectateurs, alors. On peut le faire. Voilà, les gars, on y va. Je pense qu'Artyom, ça va, là-bas, quoi. Artyom! Artyom, viens ici! Allons-y, Safik. D'accord, mais attention, ces bruits inquiétants venaient d'ici, apparemment. Allons chercher Artyom, là-bas. D'accord, peut-être qu'il est là-bas. Artyom, t'es là? Je ne le vois pas ici non plus, il répond pas. Cherche de ce côté, Safik. Ok. Artyom! Merde, il n'est pas sur le bateau. Parce qu'apparemment, il n'est pas ici, quoi. Il faut continuer à chercher. Ou tu proposes qu'on le cherche encore? Écoute, peut-être qu'il est revenu au canapé, quoi, et que c'est lui que nous cherchons. Sur le canapé? Ouais. Allons voir. Ben, on va faire le tour et finalement, on s'est passé comme ça. Tu entends? Il y a des bruits bizarres là-bas, comme des gloussements. Il est possible qu'Artyom soit là-bas, quoi, ou peut-être pas, en fait. Ne bouge pas. Ah. Tu vois ce qui se passe, Safik? Ne bouge pas. Mais c'est vraiment Artyom, les gars, il faut les sauver tout de suite, quoi. Regarde comme il est grand et délicieux. Et si nous réussissons, ça sera très bon. Oui, miaou, oui, mais il faut qu'il fasse partie du jeu. Miaou, miaou, miaou. Tu as entendu, Safik? On dirait qu'elle veut le manger. Il faut l'aider à 100%, quoi, les mecs. Mais comment on va faire? Pacha, on doit défoncer la porte, c'est notre ami, quoi. Allez, 3, 2, 1, on débarque, on régale ça à l'intérieur, quoi. Attends. Et on va voir après ce qu'on fera. Allons-y. Ouf. Ouais, mais... Attends. 3, on y va, allez. Ah ouais. Les gars, barrez-vous d'ici, quoi. Rendez Artyom, mais dégagez de là, bordel de merde. Ouais, on est là pour le défendre. On va vous battre. Oh, qui est arrivé? Et on vous attendait, justement. Oui, vous serez le plat principal. Parce que je crois qu'ils viennent sur nous, quoi. Sois prêt, mec. Je suis prêt. Je suis prêt. Parce que je le tiens. Essaye de le renvoyer dans le jeu d'où il vient. J'essaie tout de suite. Putain, il meurt. Non, allez. Lâche-moi. Il est dans le jeu, Pascal, il est dans le jeu. Laisse-moi t'aider. Vas-y, Safik. Allez, Pascal. Lâchez-moi. Écrase. C'est bon. Voilà. Il est juste là, regarde. On a eu de la chance. Il reste le troisième, où est-il? Je sais pas. Il a dû s'enfuir. Il faut détacher Artyom. C'est ça, Artyom est là. Artyom, réveille-toi, Lève-toi. Allez, dépêche-toi, vite, enlève ça, là, allez. Alors, ouais, voilà, la première. Comment t'es retrouvé ici? J'étais dans le couloir, celui d'où on a entendu quelque chose. Uh-huh. Et après, il y avait des chuchotements, des voix, voilà. Et après... Mais arrêtez de me parler, vous l'entendez? Arrêtez de me parler! Ces voix me rendent fou! Mais je ne vois personne! Peut-être qu'elles viennent de l'entrepôt! Ah, il va falloir aller regarder! Ça suffit! Qu'est-ce qui se passe? On l'a eu! Maintenant, mettons-le dans le jeu! Quoi? Non, ne mettez pas dans le jeu! Non! Je ne me souviens de rien. Allez, lève-toi vite, il faut t'habiller maintenant. Et te détacher. Allez. Vaut mieux te détacher d'abord, puis t'habiller. Tout est clair pour moi, mais vous étiez où? Eh bien, nous, on a attrapé 2 chats, on les a mis dans le téléphone, et le troisième, il s'est cassé, en fait, ouais. Ouais, le troisième est quelque part dans le coin. Oh, il est là, derrière vous. Artyom! Vas-y, Artyom, poursuis-le, vite. Vous ne pouvez pas m'attraper. Et bouge pas,
Tu t'échapperas pas. Safik, donne-moi le téléphone. Regarde, il est là. On a réussi. Nous l'avons enfermé dans le smartphone. C'est pas grave, nous reviendrons. Supprimons ce jeu maintenant pour que rien de mal n'arrive. Les gars, écrivez dans les commentaires quel monstre vous avez préféré, s'il vous plaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez ici pour regarder cette balle. C'est une vidéo incroyable que vous devez regarder en entier. Allez, s'il vous plaît, ciao!